Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue avec moi dans ce week-end où on est parti à Nancy. Je vais vous montrer un petit peu la ville, tout ce qu'on fait, etc. Donc je suis en famille, donc je vais pas tout montrer. Mais voilà, j'avais envie de vous emmener avec nous dans ce petit week-end de découverte de la ville de Nancy. Je sais qu'il y a des abonnés à moi qui habitent Nancy. Donc on est arrivé hier vers 12h30. On est à côté de la place de Stanislav. On avait pris un Airbnb. Et franchement, il est plutôt sympa. Je vous montrerai en partant à quoi il ressemblait. Donc là, il doit être 10h, un truc comme ça. On dort sur un lit où c'est par terre, en fait. C'est un peu en mode japonais. C'est ça qu'on dit, non? C'est à la japonaise. C'est juste un lit par terre. C'est pas juste... Voilà. Merci, voilà, on merci. Est d'accord. Mais c'est, ça porte pas un nom? Un futon. Un futon, voilà. Ok, merci. Ouais, non, c'est bon, je laisse. Tu vas passer sur YouTube, là. De toute façon, j'avais prévu, ceux qui veulent, ils passent. Hein. Du coup, oui, c'est un futon. Et non, je recommence pas, tant pis. Et donc, aujourd'hui, je sais plus ce qu'on va faire, mais on doit aller voir un parc, on doit aller normalement au marché. Ce soir, on fait raclette, puisque c'est l'anniversaire d'une de nos cousines. Donc, je vous montrerai ça, et on va faire un gâteau aussi. Donc, c'est parti dans cette journée, dans ce week-end, avec nous. Qui est le plus gros tronc? Celui-là? La corne du smash. T'as vu que tu les vois en arbre? Ah, le celui-là? Non, celui-là. Ah, celui-là. Avec, ok. T'as vu que tu le vois en arbre, c'est lui, il est très dur. Mais ça, c'est quoi le bâtiment? Je crois que c'est un muséum d'histoire naturelle. Ah oui, muséum. Je suis jamais allé. Bienvenue dans le vlog. Yeah! Ah, le tricheur. Waouh, trop de talent. Donc là on était à la place Stanislas, c'est vraiment très joli mais il y a beaucoup de monde. Il m'a goûté les bretzels, trop bon.
Tu préfères fromage ou nature? Fromage. Toi, c'est lardon? Ouais, c'était bon, lardon. Alors apparemment, faut que je fasse un petit truc. On croit que là, il y a une cristallerie. Une ancienne cristallerie. Ça te plaît? Oh, c'est joli, franchement. Elle est là, l'usine abandonnée, mais on voit pas trop à cause de l'arbre. On n'y a pas accès. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Nancy? C'est mignon, c'est une jolie ville. On peut se balader à pied, tout se fait à pied par contre. Ouais. On fait pas ça. Pas en voiture. Pas en voiture, non, c'est pas intéressant. En plus, les transports sont gratuits le week-end, donc ça, c'est cool. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de transports. Il y a beaucoup de trams, beaucoup de bus. Ouais, et c'est. Enfin, il y a vraiment une bonne fréquence des transports en commun. Donc, franchement, c'est mignon. C'est une petite ville mignonne et tout. Il y a des petits marchés. On peut manger, on peut grignoter un petit peu partout. C'est quoi déjà qu'on a mangé? La tourte? La tourte Lorraine. La tourte Lorraine, ouais. Après, il y avait Omori ou. Canard, ouais, poulet. Poulet, ouais. Ouais, hein, c'était sympa, super bon, ouais. C'était de la charcuterie. C'est ça, c'est la vraie tarte Lorraine, du coup. La vraie quiche Lorraine, sans fromage. Exactement, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la place Stanislav. Stanislas. Stanislas. Ouais. Parce que j'ai un élève qui est Stanislav, alors du coup, Stanislas. Ouais, après, c'était sympa. Après le marché couvert, on a fait la place Charles III. Ouais, la place Charles III, et puis on a fait la cathédrale aussi, d'Annecy. Comment ça s'appelle, la Sainte... Notre-Dame de l'Annonciation. Annonciation, voilà, Notre-Dame de l'Annonciation. Elle était grande, hein. Ouais, elle était super grande. Puis après, on s'est baladé le long de la Meurthe. Meurthe, ouais. On est passé sur un pont, on a vu pas l'usine que j'ai montrée abandonnée de loin. Ouais, l'écluse. Ouais. Non, c'était pas mal. Il y avait un héron cendré, il y avait des cormorans. C'était pas mal. Non, c'était sympa, ouais. Donc là, ce soir, ce qui reste, c'est aller faire les courses. Ouais. Raclette partie. Raclette partie. Gâteau partie pour l'anniversaire de Jus. Et puis après, bah, on repart demain à 10h, c'est ça on... Après manger le midi. On va reprendre à la route tranquillement. Ça va être sympa. Exactement. Bon, je pense refilmer des petits bouts, mais ce sera pas pareil qu'aujourd'hui, quoi.